Vidéo. Alors avec moi Yannick Renoux, donc entraîneur de Ornans. Alors Yannick, un match certes une défaite, je pense quand même que vous avez livré un bon match contre Pontarlier qui s'annonçait déjà difficile. Vous avez des belles occasions en deuxième mi-temps. Qu'est-ce que vous pouvez me dire un peu sur l'ensemble du match? Sur l'ensemble du match, oui, je pense qu'on a su élever notre niveau, moi déjà d'un point de vue physique, c'était important face à cette équipe de Pontarlier qui démontre match après match que physiquement c'est une équipe qui arrive à dépasser, à surpasser tout le monde. Bon, on a fait jeu égal, donc il y a une satisfaction à ce niveau-là. Ensuite, des difficultés en première mi-temps, notamment sur l'accumulation de coups de pied arrêtés. Là où je dirais que c'était le point fort de cette équipe, on a su résister aussi sur ce domaine-là. Et puis en deuxième mi-temps, je pense qu'on a fait plus que jeu égal. Je pense qu'on a maîtrisé cette deuxième mi-temps techniquement. On leur a posé de nombreux problèmes. Malheureusement, on n'a pas eu cette efficacité dans la surface pour du moins égaliser et puis aller en prolongation, parce que je suis persuadé que si on marque, on peut aller jusqu'au bout et puis remporter cette victoire sur un terrain qui était quand même plus que difficile. C'est sûr que ça n'a pas avantagé dans ce fin de match l'équipe qui essaie de construire et de repartir proprement. Maintenant, on est forcément déçu de la tournure de ce match. Mais on va se consacrer dès maintenant au championnat et essayer de continuer sur ce qu'on a pu proposer aujourd'hui. D'accord. Eh bien, merci Yannick. Pas de souci. Alors avec moi Simon Joly, donc gardien d'Ornans. Alors Simon, déjà tu as fait quelques beaux arrêts sur ce match. Sur le penalty, tu pars sur le bon côté. Je pense que la balle passe en dessous de ta main. Qu'est-ce qui s'est passé un peu? Le penalty, bon, je pars du bon côté. Je dois le sortir parce qu'en fait au moment de prendre ma prise d'appui, avec la neige, avec le terrain dégradé, je glisse un petit peu, ce qui fait que j'arrive pas à pousser sur mes jambes et puis donc à arriver à claquer le ballon. Et en fait, je retombe et j'ai le ballon qui me passe sous la main, quoi. D'accord. Donc c'est vrai que mon premier mi-temps, je fais un bon match. Mais bon, je reste amer par rapport au pénalty que je dois sortir. Et bon, après, même si un gardien fait un bon match qui est derrière, il n'y a pas le résultat, ça sert à rien. Malgré la défaite, ton équipe a fait quand même une belle prestation. Donc c'est bien battu contre cette équipe de Pontarlier. Ouais, c'est sûr. Bah bon, déjà le terrain était vraiment pas praticable, donc ouais. Ça a nivelé un petit peu le niveau. Mais c'est vrai qu'on a réussi à faire jeu égal avec Pontarlier. Bon, on a eu chacun notre mi-temps de par le temps, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de vent dans un sens, donc qui a bien aidé Pontarlier en première mi-temps. Puis en deuxième, on l'avait dans le dos, donc ça nous a bien aidé. On a eu chacun notre mi-temps. Maintenant, on perd sur un coup du sort, parce que bon, pour nous le penalty. Après, bon, c'est difficile d'être objectif parce que c'est notre équipe, mais c'est vrai qu'on trouve le penalty vraiment sévère. Après, bon, c'est comme ça, faut prendre des décisions. Bon, l'arbitre a sifflé penalty. Bon, c'est comme ça. On sort vraiment par la petite porte, très déçu, ouais, avec beaucoup de regrets par rapport à ce match-là. Et bon, maintenant, avec l'équipe, on va se focaliser sur le championnat et puis. Puis tout faire pour jouer la montée, pour pouvoir les retrouver l'année prochaine. D'accord, et merci Simon. Donc avec moi Jean-Luc Courtet, donc entraîneur du SAP Foot. Alors Jean-Luc, une belle victoire, certes, mais contre Ornans qui était une belle équipe, qui a fait une belle opposition. Est-ce que vous me donnez un peu vos sentiments sur ce match? Ouais, c'est dommage que la fête ait été gâchée par le temps, parce qu'il faut admettre quand même que surtout la deuxième mi-temps c'était injouable. Ce qu'on retient au niveau d'un match de coupe, c'est la qualification, c'est tout ce qu'on retiendra ce soir. On est tombé sur une belle équipe d'Ornans. C'est vrai que pour les deux équipes, c'était difficile de faire du jeu. Maintenant, on a réussi à marquer sur coup de pied arrêté, ce qui souvent se passe dans des matchs aussi serrés et aussi injouables au niveau du temps. Donc on a marqué ce but et puis après on a souffert parce que on s'est retrouvé à 10. Et là, on a joué vraiment bas et on a été acculé par cette équipe d'Ornans, même s'ils ne sont pas créés d'énormes occasions. D'accord. Eh bien, merci Jean-Luc. Là. Alors avec moi Cyril Etellier, buteur de ce match, donc sur penalty. Alors déjà première question, le penalty, on voit que le gardien part quand même du bon côté. Ouais, je pense qu'il savait un petit peu où je les tire ou je sais pas. C'est vrai que j'ai l'habitude de changer parce que je voulais changer. Et puis à un moment donné, j'ai dit je la mets là parce que bon le terrain, je voulais déjà me la mettre à terre. Puis je pense que c'est vrai que si je la mets à peine un peu plus à droite, il l'enlève, elle passe loin. Voilà, de la réussite, il en fallait. De toute façon, le match, on savait que ça allait jouer sur un détail. Ouais. Et puis qu'on s'était déjà engagé tous ensemble à bien défendre.
parce que le terrain donc sur, très difficile. Sur l'ensemble du match, Ornans a fait quand même une belle prestation. Ouais, très belle prestation. Bah, de toute façon, on savait que vu les conditions climatiques, le niveau allait s'équilibrer, ce qui était sûr. Parce qu'on ne pouvait plus poser le ballon, c'était dur de jouer, la neige en plein visage. Et c'est vrai que là, c'était pour les deux équipes, donc techniquement, ça allait être très dur. Après, c'est celui qui allait bien défendre, qui allait gagner ce match, quoi, parce que à tout moment, il allait avoir une opportunité, que ça soit d'un camp comme de l'autre. Et comme nous a dit notre coach au début, c'est déjà bien défendre, pour ne pas prendre de but, et puis attendre cette occasion qui allait peut-être libérer. D'accord. Merci Cyril. Merci à vous.